On est des joueurs professionnels, on considère toutes les compétitions comme de grandes compétitions. On est là pour la Coupe d'Afrique et qui est très importante pour nous. Et on va essayer de tout donner. La Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition. Et c'est une chose énorme. Et la Coupe d'Afrique aussi, ce n'est pas une petite compétition pour nous. C'est très important pour nous, surtout les Sénégalais. Le peuple attend depuis. Là, on est en train de bien travailler, bien préparer la CAN depuis à Dakar. Là, on est en Égypte. On va essayer de continuer à bien travailler pour atteindre l'objectif. Pour nous, c'est une pression positive. En Afrique, il n'y a pas de petite équipe maintenant. On va essayer d'assumer notre statut de favori. On est conscient de cela. Et puis, on a la tête sur les épaules. On est conscient que, en Afrique, il y a beaucoup de bonnes équipes aussi. Toutes les équipes sont bonnes en Afrique. On va essayer de voir, de prendre les matchs comme tous les autres matchs, match par match. De la manière la plus sereine, je pense qu'on a un groupe serein qui sait ce qu'il veut. On est en Coupe d'Afrique, rien ne sera facile, mais on est très serein, très confiant. Je pense qu'on a bien travaillé et on attend le jour J. Sadio est un joueur très très important pour nous, mais le Sénégal est une grande équipe eux aussi. Et on va faire sans lui pour ce premier match. Et pour le reste de la compétition, on l'aura avec nous. Là, on est vraiment prêt. On le sera aussi au soir du 23 contre la Tanzanie. Comme je viens de le dire tantôt, ça ne sera pas facile, mais le Sénégal est prêt. Et on préfère juste rester concentré sur notre sujet. Quel que soit le ballon, il est le même pour tout le monde. Donc à nous de nous adapter et de répondre présent sur le terrain. C'est d'être prêt quand le coach fera appel à qui que ce soit et puis de donner le meilleur de soi. Lolo lang yung